Et ça, c'est important. C'est quelque chose d'important. Ok. Ah, je voulais aussi te parler. Attends. Ouais, c'est moi. Dis, t'as imprimé les. Ouais. Tu peux me les apporter? Merci. Elle arrive. Ça va la vie sinon? En dehors du boulot? Ouais, ça va. Ouais. Les gens te parlent de l'émission? Ouais, en général, ils sont assez. Ah, merci Laurence. Tiens, regarde. Tous les jours, je fais imprimer les tweets qui parlent de l'émission. Là, c'est ceux d'hier, et je pense qu'il y a moyen d'en tirer une chronique. Tiens, écoute. Fred42, génial, arrobase importantissime. Si Corinne désormais est intéressée, je suis encore célib. C'est marrant. Hein. Tiens, Ophélie, coucou, arrobase Bunos, comme s'il avait un compte. Ne lâche rien. Roger, arrobase importantissime. C'est tout. C'est rigolo. Hein, tu vois, ça arrive comme ça tous les jours. C'est marrant, c'est gratuit. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une belle séquence. Il faut que ce soit produit, évidemment. Comment ça, produit? Ah, et ben, clac, 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 faut tout un emballage. En télé, ce qui compte, c'est pas le cadeau, c'est l'emballage. Allez, à tout à l'heure. Sinon, t'as vérifié avec le graphiste pour ce soir? Ouais, tout va bien. Je veux vraiment qu'il y ait un effet waouh. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sûr? Ouais. Ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission préférée, toutes chaînes confondues, souvent copiées, mais bon, hein, on se comprend. Alors justement, ce soir, pour nous débarrasser de nos concurrents qui nous collent au basque, on innove une fois de plus avec un habillage spécial fête de Noël. C'est comme ça, c'est cadeau. On peut peut-être allumer la guirlande? Voilà, tout est au top. Au sommaire aujourd'hui, on démarrera l'émission avec Mark Wahlberg. Il va venir nous vendre sa soupe. Je l'ai trouvé un peu fatigué dans les loges. Il s'est empâté depuis la dernière fois. On lui demandera pourquoi il a pris des joues. J'espère que c'est pour un rôle. On lira ensuite vos meilleurs tweets du jour. Une nouvelle rubrique assez sympa, si vous aimez les tweets, bien sûr. On découvrira également un nouvel épisode de Lovelyn, la prostituée décalée. Cette semaine, elle est allée distribuer des tic-tac à des SDF. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la rue qu'on n'a pas envie d'avoir une haleine fraîche. C'est caustique, ça chatouille, c'est Lovelyn, vous verrez ça. À 20h, on retrouvera l'enquête de Corinne Désormais. Elle nous parle aujourd'hui de la folie des litières pour chats. Elles sont plus cosy qu'avant et de leur côté, les chats sont aussi plus exigeants. À 20h10, on interrompra le fil de l'émission avec un combat en plateau. Éric Zemmour sera opposé à un enfant de 4 ans. On va se régaler. Ensuite, on accueillera quelqu'un qui souffre. C'est le coup de cœur de l'émission. On donnera un coup de projecteur sur ce malheureux. Vous verrez, c'est un beau témoignage, tout en retenue, avec des petites... Tout le monde est servi? Ouais. Allez, à la vôtre. Tchin! Ah là là, c'était bien aujourd'hui, on a marqué des points. Oui, enfin, peut-être que le sommaire était un peu long quand même. Crois pas ça, Marc. Tu sais, mieux vaut un sommaire de qualité et une mauvaise émission que le contraire. Qui veut le dernier marron glacé? Allez, c'est pour moi.